Salut les gens, aujourd'hui on va faire un unboxing, et pas un unboxing de jeux vidéo, on va faire un unboxing de ce que vous m'avez permis d'acheter en fait il y a quelques temps, genre pas longtemps, 15 jours environ. J'ai fait une demande d'aide pour que vous puissiez me donner un coup de main parce que mon matos son était mort. C'était un petit matos son de merde, mais c'était déjà la deuxième fois que je l'ai racheté et il est remort. Et du coup, comme j'en avais marre des micros qui duraient un des 6 mois, j'ai fait ce que ma copine m'a dit en fait, et j'ai demandé de l'aide, je vous ai demandé votre aide. Et vous avez été nombreuses et nombreux à participer en fait, vu que vous avez été 26, 27 je crois, pour un total de 400 euros. Alors que j'en demandais 100. Et par conséquent, je me suis retrouvé avec un budget beaucoup plus conséquent que prévu. Ce qui va me permettre de m'acheter un matos, enfin, ce qui m'a permis de m'acheter un matos vraiment super chouette au niveau du son. Par conséquent, c'est la toute dernière fois que vous entendez ce son tout pourri, qui est le son du micro du Reflex. Donc aujourd'hui, je vous montre ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu m'acheter avec tous ces sous. Et je suis vraiment super heureuse, là je suis genre vraiment ému. Et voilà. Alors. Hop. J'ai commencé par un enregistreur. Au début, je voulais le H1N. Voilà, qui coûtait 100 balles, et là on est sur la H4N Pro qui doit coûter environ 2 fois plus. Et, voilà, qui a 2 entrées XLR, ce qui pourrait permettre éventuellement un jour de brancher 2 micros. Et voilà, du coup il arrive avec ses batteries dans une grosse boîte en plastique bien solide. J'ouvre tout, ça va être un bordel à ranger après, mais c'est pas grave. Hop là. Voilà, ça envoie. Hein. Il sort dans une sorte de coque qui a l'air d'être un petit peu anti-choc. C'est vraiment vachement chouette. Hop. Je ferme tout de suite parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. Il y a des piles, un manuel avec. Je pense que je vais l'emporter avec moi parce que du coup, cette vidéo, je sais que j'ai pas sorti forcément énormément de vidéos ces derniers temps. Et cette vidéo, ça va être la seule avant environ une dizaine de jours parce que je pars en Italie faire un workshop international, tout frais payé par des assos, sur le fait de raise awareness. J'ai perdu le machin. Raise awareness. Tiens, en plus, quelqu'un m'a redonné le mot en français il n'y a pas longtemps. Bref, sur faire de la pédagogie entre guillemets sur les luttes LGBT. Et donc du coup on va être une trentaine de participants qui viennent d'un petit peu genre tous les pays en Europe. Ça va être assez chouette, ça dure une semaine. Et je prendrai le réflexe avec moi pour éventuellement faire des vidéos. Hop là. Donc ça va être le micro proprement dit en fait. Ça arrive dans une sorte de sacoche en cuir ou en faux cuir, mais ça a l'air d'être du frais. Ou alors un faux cuir de qualité. Bref. Une housse forcément et le micro en lui-même. Voilà, donc autrement dire que ça va envoyer du super lourd. Il était en réduc en plus, sinon j'aurais pas pu le prendre. Bref, ça va être assez génial en fait. Je le range tout de suite parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Je vérifie juste les sorties par contre. Est-ce que j'ai pris un câble? Je sais pas si le câble était bon. Anyway, pratique cette pochette, ceci dit. Je vais le poser là pour éviter que ça tombe, ce qui serait très dommageable. Il y a un petit machin pour utiliser une perche. Bon, perche que j'ai pas parce que ça coûte
coûter encore des sous. En revanche, j'ai pris ça, qui est un adaptateur qui va se mettre sur le réflexe et qui va permettre de... qui va me permettre de me passer de perche, ce qui sera quand même vachement plus pratique. Des élastiques de rechange, ça s'accroche avec deux élastiques en fait. Et puis là, ça devrait pouvoir se mettre sur le machin à l'aise. Donc du coup voilà, et il m'a fallu un câble forcément pour brancher le micro. Ça paraît logique. Voilà, bref, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo un peu chelou. Je vais la mettre comme ça, sans montage ni rien. J'espère que la qualité sera plutôt correcte. Voilà, prenez soin de vous. Et à très bientôt. Tipeee.